Bienvenue pour raconter mon histoire. Elle ne peut pas rêver, elle donne plutôt envie de voir. Je m'appelle Lola, j'ai 15 ans. Tout commence quand je suis. Ma maman n'a même pas pu me prendre dans les bras. Elle m'a mis en couleur. J'étais branchée. Oh mon dieu, je n'ai pas mérité tout ça. Je n'aimais pas mérité. Depuis ce jour, mes parents font tout pour que je sois heureuse. Quand je vois tout ce que je ne peux pas faire, elle me dit c'est l'enfer. Les gens me regardent, elles me disent t'as de la chance. Dispenser de sport, mais c'est pas de la chance, c'est plutôt de la malchance. Vous ne supporterez pas une journée dans ce que tu faisais avec tout votre orgueil, sans oublier le rendez-vous à l'hôpital avec les spécialistes qui essayent de me sourire. Moi, ce que je désire, c'est de devenir actrice. Je suis handicapée et j'aime bien rêver. Avec tout cela, je ne serai avec moi jamais. Une fois dans ma vie, j'aimerais faire envie et pas pitié. Je suis handicapée dans ma limousine avec mon chauffeur et mon coiffeur, à signer des autographes, à faire des gaffes, pour faire rire et pleurer à la télé pour montrer aux gens que même les handicapés ont du talent. Mais tout ça, ce n'est qu'un rêve, il ne faut pas rêver. Ça ne se réalisera jamais parce que les gens jugent sur le physique et pas sur le talent. Je tiens à vous dire en passant que tous les handicapés ont une pensée. Alors arrêtez de les juger, c'est blessant. Parfois, j'ai envie de tout arrêter. De me suicider. Cette chanson ne va pas dormir, je suis un petit peu.